Ben salut tout le monde, c'est Fabien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Dragon Ball FighterZ sur PC. Et donc on continue l'histoire du guerrier, voilà, l'art du guerrier, tout simplement. Et donc l'histoire en gros, Sangoku qui est par la mémoire, on donne un commun à Krilin et voilà quoi, c'est une histoire un peu bizarre avec des clones aussi. Donc on doit continuer l'aventure, donc... C'est parti. On continue. Avec les clones de Nappa, de Tenshinhan, Captain Grid Genius. Bien entendu. 2 contre 3. Et voilà, 2-1. Au suivant. Capote les gars, capote. Voilà, capote. En bas. Et victoire. Bonus récupéré de santé niveau 2. Est-ce qu'on est niveau 2? Oui, niveau 2. Enfin, pour Sangoku, pour deux mois. Niveau 2 pour Sangoku, mais Krilin toujours niveau 1. Ah, oula. D'accord. Oh, on va s'attaquer contre l'enfant Bou. Un clone de Bou enfant destructeur de la Terre est apparu. Il a pris un espace ennemi et absorbe cet ennemi. Je sais plus parler d'enfant. Et absorbe ses ennemis pour passer au niveau supérieur. Tu remporteras une tonne d'expérience si tu vas ce puissant ennemi. Affronte-le si tu t'en sens capable. Bien sûr, on va le faire. Crois quoi toi? Il est niveau 3, c'est ça? Non, niveau 13. Oh putain. Oh putain, si on est niveau 2 et niveau 13. On va essayer, hein. Je vous promets rien. C'est pâté les Walkiki. Maximum
Ah ouais, bah je l'ai battu. Niveau 13 contre niveau 2. Niveau 2, hein. Bonus récupération santé niveau 1. Ah, Krilla est devenu niveau 2 aussi. Attendez, il est niveau 13 et c'est lui qui devrait me battre normalement. Il y a un truc qui coince là-dedans. Allez, on va aller battre contre Cell, combat de boss. Allez, c'est Tipar. Niveau 5, niveau 5, niveau 5. On est niveau 2. Allez, c'est Titi, c'est Tipar. Ok, bon, j'ai fait con si c'est pour ça. Hein. Voilà, et 2-1. Le dernier, voyons voir. T'es moins une, hein. J'ai cru que j'allais perdre. Mais on a réussi. Défense plus un niveau. Niveau 3 pour Sangoku. Allez, on continue la suite. Tout ce magnifique jeu, pourtant j'adhère. Art Super Guerrier, chapitre 5, Piccolo ressuscité, retrouver ses 16. On avance, on avance. なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに。なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね。フリーズ族。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。 全く私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。<笑>
お前の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あの、おかしなポーズを取る連中のことか。まあ、そうです。義勇特戦隊と言います。カモドギニュー。欲しくはありませんか？私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。 Ok, Freezer avec Cell, wow. On fait un marché. Piccolo, hein, ça. On va aller sauver Piccolo. Piccolo avec C16, ça. Ok, donc Piccolo, bah, il est là. Bien entendu. Donc, on va prendre ce chemin-là ou ce chemin-là. Non, on va prendre ce chemin-là. On va se battre contre... Trunk, pardon, excusez-moi, j'ai des bêtises. Alors il y aura Trunk, Trick, Krillin et un des subordonnés de Freezer en mode clone, bien entendu. Allez, c'est Titi, c'est Tipar. これだけ似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは俺とクローンをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったらショックだな。多分大丈夫だと思うけど。なんてことは、心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失ったら大変なことになる。 Ok, alors à votre avis, ça va être Krillin contre Krillin ou prendre Sangoku? Oui, il va mieux prendre Goku. Mais ils ont quand même des gros niveaux. Bon, ça va, je suis niveau 3 et eux ils sont niveau 5, donc ça va être. Je pense que ça va être bon. Enfin, je pense. Hein. Allez, au revoir Trunk. Voilà, ça c'est fait. Tiens, prends ça. En pleine face. Allez, au revoir Krillin, au suivant. On a Ginyu. Sont pas très fut-fut, hein, les clones.
Oh, ça c'était un bon truc. Ah, oh, quand j'ai assuré. Bonus expérience gagné niveau 1. Et là passe niveau 3. Oui, bien sûr. Allez, on continue l'histoire. Donc on doit aller donner un coup de main à Piccolo. Allez, c'est tipard. Niveau 5 pour Piccolo, on a encore Ginyu et on a l'autre, c'est comment déjà? Comment il s'appelle lui? Je m'en rappelle plus. Nappa, voilà, Nappa. Nappa clone. Voilà. Je pense que c'est un piège, non? Parce que c'est le clone de Piccolo, c'est même pas le clone qui est vivant. On s'est fait avoir. Au revoir Piccolo. Pourquoi il attaque que vous pourrez m'attaquer là, non? K.O.T. Oh, enchaînement. Enchaînement de changement. Bonus récupérer ça en santé, santé niveau 1. On passe niveau 4 pour Son Goku. On gagne du zénith, mais pas des masses, parce qu'en fait quand on fait du didacticiel on gagne aussi des masses. Des zéniths, du génie. Ah ouais, combat, voilà, ou on va là. Combat de boss. Combattre. On va le combattre, allez, on va le combattre. Parce que c'est vous, hein. Et après, on fera le boss. Ouais, niveau 4, niveau 6. Hein. Moi, ils en demandent à chaque fois leur niveau. Hein. Allez, on y va. Voilà, KO. Je vais ta fête à chaque fois. Je ne sais pas comment j'ai fait là. Oh oh, enchaînement. Prends le combat.
Mais non, rien ne passera pas niveau 4. Hélas. Ah. Oui. Bah non. Nous. Attendez, c'est un boss, ça, non. C'est pas un combat de boue. Alors, on va faire le boss. On fera combat de boue plus tard. On va essayer d'avancer dans le jeu. Ah oui. Ok, Cell et Piccolo et Sangoku. Ah, Sangoku, clone, ouais, ça fait niveau 8, tous les 3, putain. On est niveau 4 moitié. Est-ce qu'on va réussir à les battre? Oh, très très bonne question. Voilà, et de 1. Pourquoi il est dans des cailloux, lui? Ah, il est dans des cailloux. Pourquoi il est dans des cailloux? Voilà, le 2. Voilà. Caput. Piccolo est disponible. Ah, ça veut dire qu'on va pouvoir le mettre dans perso sélectionné. Peut-être. Niveau 4 pour Krillin en tout cas. まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。心を読むくらい簡単に。あんたまさか 余計なことまで読み取ってないでしょうね。私はお風呂に入ってる時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって何よ。それ乙女の秘密を何だと思ってんの。まあまあナメック
星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。サンクとにかく事情は分かった。ソン、いや、ソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれたな。だが、今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。OK. Alors, à mon avis, est-ce qu'on doit le rajouter, à votre avis, en tant qu'allié ? Allié sauvé, Piccolo, est disponible dans le menu modifier l'équipe. On va modifier l'équipe alors. On va le mettre, voilà. Et niveau 7, waouh, bah dis donc. Et ben c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Et je vous promets à 100% sûr que nous irons. Nous irons nulle part parce qu'il y avait boue, il y avait plus. Bon. Eh ben, on continuera nos aventures dans la prochaine vidéo, en tout cas. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit commentaire. C'était Fabien. Tout de suite, c'est le trop. À la prochaine. Ciao, bye.